Suffocate everything, they complicate everything, they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness. Suffocate everything, they complicate everything, they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothing. There's one light on the road. Take it straight to never let it go. Let it go, let it go. Make sure to choose the right lane. You can't stop all of this pain. This pain. Ok, bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour mon premier combat PVP 1v1. Et pour ce premier combat, j'ai décidé de, on va dire, mettre en avant mes abonnés. Et donc aujourd'hui, je vais affronter un Enyrypsa qui m'attend juste au-dessus. Donc je sens qu'il va m'agresser. Il va m'agresser. C'est ma première aggro. Non, c'est moi qui l'agresse. Yeah! Trop bien. Alors je vais l'aggro. Et en plus, les amis, alors franchement, il faut savoir que j'ai été gratis. D'accord? J'ai été gratis pendant très longtemps. Mais j'ai jamais... j'ai jamais joué fake en PVP. Donc en l'occurrence là c'est un I199. Donc les amis, ne vous en faites pas, là c'est normal, c'est une agression qui a été fait à l'avance. C'est à dire que bon, j'ai décidé de, enfin non, c'est même plutôt l'abonné qui m'a contacté, qui m'a même demandé si je voulais donc là je vais enlever un truc, si je voulais tout simplement donc faire une ma première aggro avec lui. Je lui ai dit oui tout simplement. Donc je vais commencer. Oh le salaud. Oh le salaud. GG. Oh le salaud. En plus, oh là là, franchement je vais galérer. Bon bah j'ai la chef. Aïe aïe aïe. Ah bon, je dois vous avouer que je panique un petit peu. Mais je... Ce qui est sûr, c'est que je vais tout faire pour gagner. Ça, c'est tout à fait logique. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'en fait, en réalité, Feka, je sais... Enfin, j'ai eu quelques gratis, on va dire. Enfin, j'ai eu un seul gratis. C'était avec la classe Kra. Donc, Enis back. Donc, merci à toi hein, de m'avoir contacté pour mon premier combat PVP 1v1. Je voulais pas, donc, comme je vous le dis... comme je vous l'ai dit... En tout début de vidéo, je voulais pas en fait go en moins 1-0, donc à droite du Zappa Magna Village. Je voulais pas y aller pour plusieurs raisons. C'est parce que j'avais peur en fait de tomber directement sur un grade 9, grade 10 et direct qui me défend. Je trouve que ça servait à rien de faire ça. Mais vous en faites pas, ce qui est sûr, évidemment, il y en aura des agressions. En plus, ah le salaud, mais en fait, il me connaît par cœur. Enfin, il me connaît par cœur. C'est juste qu'il sait jouer PVP surtout. Il a mis directement de l'esquive PA. Donc moi, boum. Bon, je sais quand même un minimum jouer, s'il vous plaît, d'accord. Donc voilà, je fais ceci. Il me bloque. Ouais, non, je bloque, donc ça va. Alors, ensuite, je mets une glyph gravita. Et puis, je vais sans doute... Est-ce qu'il en est bu? Non, ça va. Donc, il a pas ses points de boubou. Je vais peut-être devoir boubou Feka. Voilà, pour prendre rien du tout comme dégâts. Oh les amis, j'ai oublié deux cocos. Et franchement, s'il a deux cocos lui et pas moi, alors là je pète un câble. Ouf, il l'a pas, c'est bon. Je suis rassuré entre guillemets. Donc voilà, là ses points de bouclier sont morts. Mais sinon, au pire, ce que je suis en train de me dire, c'est que... Oh, c'est Rox, lol. Lol. Pas trop comment le corps à corps, je suppose que je vais pas pouvoir le corps à corps. Ouais non, là faut clairement que je le bloque au cac, mais ça va être compliqué en fait. Ouais non, c'est toujours pareil malheureusement. Donc, bon, je vais cac pour gagner un petit peu de points de vie. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai été grade 10, mais c'était avec un Kra. C'était il y a 2 ans et demi. C'était avant l'arrivée des trophées, car
dès que les trophées sont apparus, il y a eu une masse, enfin, il y a eu tellement de sacris avec des trophées esquive PM, enfin même toutes les classes, mais surtout les sacris. Et donc j'étais totalement inoffensif. Ah, le truc c'est que Feka, je sais jouer en Coliseum. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce lapino? Est-ce que je dois le tuer ou pas? C'est ça la question. Je sais pas trop comment m'y prendre, en plus il me râle d'une force. Je suppose que je dois jouer un maximum avec les dagues de Srambat pour récupérer un maximum de vie. Mais le hic c'est que le lapino en fait il me gêne beaucoup. Donc en tout cas voilà les amis, donc premier combat PVP 1v5, là c'est un combat gentil hein, moi comme je vous l'ai dit, c'est pas être un combat énervé, mais bon, ce qui est sûr c'est que j'ai envie de le gagner. Donc là ça c'est cool. Ah non franchement il regagne trop de points de vie, c'est... J'ai pas le gravita du coup. par contre faut... J'aurais peut-être dû boubou Feka, non? Ah bien joué, franchement mon double qui fait le taf. Je suis plutôt content. Et mine de rien ses points de vie baissent, mais bon j'ai pas d'érosion donc enfin, j'ai pas de sort à érosion. Ok. Donc lui bah je suppose en fait à chaque fois il va me taper. Mine de rien c'est un nid optimisé hein. Pour les personnes qui d'avance allez dire dans les commentaires ouais non là t'as choisi le gars absolument pas optimum. Franchement je le trouve super optimisé. Surtout le salaud en esquive PA. Oh là là. En fait, je vais peut-être tuer le lapino, qui sait. Par contre, je vais sans doute me boubou Feka. Je vais peut-être mettre un glyphe... Ouais. Ouais. On va jouer comme ça, tiens. On va jouer comme ça, les gars, voilà. Comme ça, en fait, on le bloque dedans. Le truc, c'est qu'en fait, si j'avais un de coco, et non pas si j'aurais, hein, comme j'ai on va dire, souvent tendance à faire cette erreur-là, si j'avais un de coco, je gagnerais 450 points de vie tous les 3 tours, et donc, avec mes points de bouclier, je serais limite totalement, on va dire, en sécurité. Mais là, en fait, j'ai pas le de coco. Mais lui non plus n'a pas le de coco, donc ça me dérange pas tant que ça. On va dire qu'avec le de coco, je pense que j'aurais eu largement toutes mes chances de gagner, mais c'est pas très grave. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, là, je vais... Ouais, non, franchement, il y a vraiment de belles résistances, hein, 30% haul. Moi, je vais la jouer comme ça. J'aurais bien aimé TP, sans doute. Léthargie, c'est combien? Ok. Ouais après j'aimerais bien aussi jouer avec ouais non pas maintenant parce que ouais c'est vrai qu'après on pourrait me conseiller, bah n'hésitez pas à me conseiller encore une fois hein, les profs Feka qui jouent PVP, n'hésitez pas à me conseiller. C'est vrai que c'est important de jouer avec les cooldowns des sorts du Feka, mais là en l'occurrence, enfin je voulais faire le sort là, c'est quoi, c'est Bastion je crois, à distance, je voulais le faire, mais en fait vu que j'avais Boubou Feka et Rempart, je me suis dit mais ça sert à rien, John il ne fait pas n'importe quoi. Donc pour le moment il réinvoque pas de lapino. Alors il se booste maintenant alors que j'ai le cooldown. Donc franchement les amis, n'hésitez pas à lâcher un like dans... enfin, sur cette vidéo. Et je suppose qu'à la prochaine vidéo Donc voilà, bon, ça c'est le truc classique les gars, vous connaissez maintenant hein. Voilà. C'est glyph plus TP. Après je pourrais mettre éventuellement un deuxième glyph. Le hic c'est que je le tag pas à 100% en fait. Oh non le lapino. Est-ce que vous me conseillez de le tuer rapidement? D'ailleurs allez vous savez quoi là, ce tour là là je vais enfin roxer parce que il faut que je roxe en fait. Il faut vraiment que en plus je regagne des points de vie. Donc je vais faire ceci.
Ah voilà, je suppose que j'en suis sûr dans votre tête, là, les profs EK qui me regardent. Mais tu as utilisé tes coups de dague, j'en suis sûr, vous me dites ça. Mais d'un côté, je me dis, mais c'est vrai, pourquoi je fais pas ça? Je balance du 1000 par tour et je regagne 200 points de vie. Donc franchement, bon, là, c'est un nid, voilà, grade 2. J'essaie vraiment de faire petit pour le moment, en tout cas dans ce premier épisode. Alors, franchement, plus il y aura de likes et plus là, j'essaierai de vous trouver un adversaire vraiment énorme, hein, pour l'épisode 2. Allez, 300 likes, je trouve un adversaire grade 9 minimum. Peut-être que j'abuse, peut-être que je suis dans l'excès. Mais pour le moment ça va, mais bon, il aura la reconstite. Donc Ennis back, hein, il est toujours présent. Et encore une fois dédicace, voilà, bon. Guide des Kings. J'aime bien faire des dédicaces comme ça. Oh, le salaud, là je sais pas quoi faire. Sans doute. Non, il va tuer mon. Ah, je pense. Attendez. Franchement là, vous avez un petit peu le droit de m'insulter. Enfin non, non. Ne m'insultez pas non plus. Mais c'est vrai qu'en fait, je suis bête. Pourquoi je n'utilise pas les sorts barricade et bastion? Après, c'est vrai que c'est avec le temps que je m'habituerai au gameplay du FK. Mais je sais pas, j'ai deux sorts super puissants et je ne le fais pas. Donc là, je vais pas le faire maintenant. Ouais, quoique, allez, on va essayer de bloquer ça. Hop. Alors, bastion, c'est... Non, c'est barricade. Donc je suppose qu'on devrait faire ça. Ah, là, c'est pas mal. Ouais, le truc, c'est que j'aimerais tellement tacler mon adversaire à 100%. Le problème aussi, les gars, pour ceux qui continuent de regarder cette vidéo et qui en ont toujours pas marre, c'est qu'en fait, pour être vraiment très bon en PvP... qu'est-ce qu'il nous a fait? Ouais, bon, il s'est cassé. Pour être vraiment très très bon en PvP, vous savez, il nous faut combien de modes? En gros, en moyenne, au moins 10 modes. C'est-à-dire que... attendez, je suis en train de réfléchir. Ah, malheureusement, j'aurais peut-être pas assez... FK, faut que je le fasse maintenant. Parce que là, j'ai que ça en fait. Hein. Vraiment, il faut alterner Rempart et Boubou FK. Et pour le moment, ça va. Hein. On va dire que je me débrouille. Alors, peut-être que je fais des fautes, les amis. Désolé. Désolé si je fais des erreurs. Je suis pas un pro FK. Mais je pense que j'aurais toutes mes chances si j'avais un Kra. Après, voilà, c'est un niveau 199. Oh là 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 là. Mais attendez, hein, y a quand même un truc à préciser, les gars. C'est que certes, c'est un niveau 199. D'accord. Mais le truc c'est que lui au moins il sait, enfin il me connaît en fait ce salaud et donc bah vu qu'il me connaît en vrai c'est... Bah il, par exemple il a pu mettre les esquives PA, alors c'est vrai que les esquives PA on pourrait se dire ouais mais c'est vrai que tous les FK savent, enfin toutes les personnes savent que les FK râlent des PA. Donc c'est vrai que mon argument ne tient pas forcément debout. En tout cas, Savita, Max, Bess... Oh non, pas de Lapino, tout sauf ça, my god. Non, mais comment je vais faire? Au pire, Bulle. Ouais, non, mais je le tue pas. Par contre, là, il faudrait que je regagne des points de vie. Parce que ma Vita Max, elle descend petit à petit. Déjà 12 minutes de vidéo. Oh non, s'il pouvait rester là. Dommage. Je vais peut-être attirer l'autre là. Vous en pensez quoi les gars? Ah non, c'est 4 PA, my god. Pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Ils n'ont pas le droit de me faire ça. Non mais je sais pas, je pensais que Frisson c'était 3 PA. Bon, pas grave. De toute manière, il va fuir. Par contre là, franchement, ses points de vie commencent vraiment à baisser, donc... c'est pas plus mal pour moi. No recons, please.
Par contre, je comprends pas. Mode prev en crit, ça donne le double, c'est ça ou... Faut vraiment que je m'informe sur ce sort. Ah, il est quasiment mort. Je sais pas comment le tuer, là. Il va ouais, quoi que, ça vite à max, cette baisse, mais... Faudrait vraiment que je joue bien si j'ai vraiment envie de le finir. Mais, le truc, c'est contre... Bon, sur un cra, j'aurais fait distance, etc., mais... Bon, par contre, là, je peux me TP. Donc, c'est cool. Et un gravita. Ouf. par contre, non, j'ai... Non, ça va. J'ai encore beaucoup fait cam, mais il faut que je rempare maintenant, par contre. Et je vais peut-être, les amis, utiliser prochain tour, donc le sort Bastion, là, pour une fois. Aïe, il me kick tellement de PA, mais tellement... J'ai trop peu d'esquive, en fait, c'est ça le pic. Oh, le lapino de mort, il m'énerve, le lapino. Qu'est-ce qui m'énerve? Je sais pas comment contrer. What? C'est quoi toute la vita qui la récup? Mais n'importe quoi. Donc je vais faire... Donc, Bastion. Le sort de mêlée. Ah, mon double, enfin. Il arrive. Ouais, vas-y, tape encore. J'ai fait le truc au corps à corps. Ah ouais, bon, non. Il me kick quand même des PA, donc... Il faut que je regagne des points de vie. Ok. Ok, je regagne 80. C'est déjà bien. Eh oui, mais même lui, il le dit, hein. Il a 43 retraits de PA. Il me râle comme je ne sais pas quoi. Voilà, bon. Le problème, c'est que même si je tuais le lapino, ce serait compliqué. C'est vrai que sa vita max, elle baisse pas mal. Bon, je vais peut-être faire maîtrise et caquer. Ah, je réfléchis en fait. Ça fait quand même 20 tours. Ouais, pourquoi pas le... Ouais. Faire ça, et puis on va le libérer. Comme ça, son lapino, bon, on va voir s'il continue de soigner. Par contre, là, il faut que je me rempare, hein, prochain. Aïe. Ouais, bon, il vient toujours vers le lapino, donc... Voilà, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir gravita... Et ce qui est cool, c'est qu'il m'a pas kické de PA pour une fois. Ok, je vais enfin pouvoir gravita. Ok, enfin, un tour assez intéressant. Bastion, c'est quoi à distance? Non, j'en veux pas. Donc moi, ça sert pas à grand chose que je tape maintenant parce que... Ouais, quoique il a ses points de boubou, c'est vrai, mais... Regardez. Ah, pour une fois, enfin. Enfin, il me kick pas de PA. Lol. J'ai parlé trop tôt. Non, mais il m'a pas kick de PA avec son autre sort, là, mais... Bon. Ah, c'est compliqué, mine de rien, pour un premier combat 1v1. Il a toujours pas fait reconce en plus. Ouais, non, mais le problème, c'est lapino, en fait. Je sais pas comment le tuer, même avec Bulle.
Et puis même si je le tuais, il va réinvoquer le prochain. Donc je suis super perdu. Au pire, j'ai qu'à la jouer distance, hein, ouais. Si vraiment j'ai pas le choix, je tente de la jouer bastion. Non, là il faut que je caque là. Là il faut que je caque là. Voilà. J'ai encore beaucoup fait K. Mais clairement, je vais devoir rempart également. Mais là, si s'éloigne trop, moins 3 PA, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que je galère? Je galère. Mon cran en plus qui est en mode AFK, je peux le tuer limite là. Non, je peux pas le tuer. Retour du bâton enfin pour les personnes qui attendaient ce sort. Ah c'est cool, je peux enfin utiliser mon sort bastion. Mon sort de distance. Whoopi Joy, bravo, tu sais jouer. Encore. Je lui dis de pas recommencer parce que sinon les vidéos elle va durer une heure. Salaud. Ah non, me retire pas des PA, fuck you. Ah non, franchement. Alors là, d'accord. Alors là, coup de gueule. Hein. Coup de gueule, ils ont pas le droit. Hein. Il a pas le droit de faire ça. C'est nul. C'est nul, nul, nul. Ouais, non, mais en réalité, en fait, il faut que je main one de son lapino. Je pense que c'est peut-être ça que vous êtes en train de vous dire depuis 20 minutes. Mais Joy, casse-toi du lapino, laisse-le là-bas. En plus, il a que 4 PM. Écoutez, bah, c'est ce que je vais faire. Après, je vais TP. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, il y a pas mal de personnes, encore une fois, sur WhatsApp, les amis. Ça me fait super plaisir. Dédicace à toutes les personnes qui sont là. Bon, je vais pas non plus citer à chaque fois les noms. Et merci à vous tous. Ça fait, encore une fois, très très plaisir, et n'oubliez pas hein, le rendez-vous que voilà. Bon, oh le salaud, oh là là. En plus, du coup, moi j'aurais pas de regain de vie à distance, pas grave. Hein. C'est pas grave, voilà. On va taper comme on peut, mais. Bon, à la limite, je peux regagner des points de vie avec le cac, mais bon, c'est compliqué, quoi. Doppel va... Ouais, non, il a rempart, ça va. Il tank. Mais franchement, je vois pas le bout du tunnel, les gars. Clairement, là, je le vois plus. Donc, je vais peut-être tuer le lapino. Voilà. J'ai bastion prochain. Regardez, hein, ses points de vie max, il avait 4000. Moi, faut clairement que je garde... Aïe, 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 il va venir. Come on. De toute manière, j'ai un autre doppel, alors... Et franchement, s'il invoque un... un lapino. Je sens que je vais m'énerver. Je peux le cac là, je crois. Là, je peux vraiment le cac, hein, il me semble. Ok, voilà, Joy, c'est bien. C'est bien. Il se débuff et il se soigne juste après. Aïe, aïe, aïe. Je vais devoir rempart. Je vais devoir rempart. Ou bien non, j'ai pas forcément besoin. Si, ouais, j'ai besoin de rempart.
puis peut-être. Regardez ces points de bouclier là qui. Aïe aïe. Franchement, le Lapino, il m'aime. En fait, en réalité, les amis, si je perds, c'est vraiment à cause du Lapino. Clairement, c'est à cause de salaud. C'est vraiment. Je sais pas, je me dis, mais tu vois, mais t'es pas capable de gérer un ennemi. Déjà, de un qui est 199. Mais surtout, t'es pas capable de gérer à cause d'un Lapino. Clairement, là, j'ai la honte. J'ai vraiment la honte. Après, ça se dit YouTubeur PGM. Ouais, 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 bien sûr. Non, franchement. En plus, regardez sa Vitamax. Bon, ça va, sa Vitamax elle baisse donc. Moi je vais faire sort à distance là. Hop. Aïe aïe aïe, je sais pas comment. Je sais pas. Faudrait mettre sa Vitamax à 1500 comme ça il peut rien faire en gros. Ben comme ça, je pourrais éventuellement le démonter quoi. Bon, ce qui est cool c'est que là j'aurai les deux. Ouais franchement bah écoutez, je pense que j'ai pas le choix. Faut que je tape comme un sourd en fait. Je sais que sa Vitamax elle baisse. En plus surtout que bah, je suis pas en début. Mais c'est vrai que 30 minutes pour un combat 1v1, Fekaini. C'est chaud, c'est vraiment chaud. J'espère vraiment que le deuxième épisode, bah, ce qui est sûr, c'est que le deuxième épisode, vous en faites pas, ça sera pas un combat comme ça au-dessus, enfin, l'ancienne map PVP d'Astrup, tout ça. Là, ça sera un vrai de vrai. Hein. Ah non, mais voilà, comme ça. Mais je pense en fait, j'ai pas trop le choix en fait, limite de la jouer comme ça, parce que. Sinon, bah, le Lapino il le soigne en fait toute la game et c'est compliqué pour moi. À la limite, bah, franchement, je sais pas si je dois continuer à jouer FK. Moi, franchement, j'aime bien jouer FK, mais je sais pas si ça. Comment dirais-je. Ah, et en plus, il me fait mal, j'ai plus beaucoup de points de vie. Allez, vas-y. Je vais la tirer dans les profondeurs des abysses. Dans les profondeurs avec Kyogre. Dédicace au Pokémon. Au Pokémaniac. Genre. Et non, boum, allez. Oh, il lui reste assez de PA, mais. What the fuck? Il y a de Lapino, mais qui soigne, hein, qui soigne, qui soigne, qui soigne, qui soigne. C'est infernal, hein, ce Lapino, il est infernal. Bon, je vais enfin pouvoir me poser. Et sa Vitamax elle baisse. Sa Vitamax elle baisse. C'est là qu'il va falloir que j'utilise mon gameplay très intéressant du FK. Gravita, tout ça. Enfin bon, voilà. Eh non, mais franchement, c'est un enfoiré. Hein. C'est un enfoiré. J'ai envie de gagner mon premier combat, bordel. Au pire, c'est pas grave, même si par celui-là, voilà, ça me dérange pas, je suis grade 1. Oh, le Rox. Je vais utiliser mon sort cheaté Bastion. N'empêche, 33 tours, c'est chaud, quoi. Umbra, carrément, hein, qui est dans le groupe, qui désigne les cages, bien sûr, il est en train de lui conseiller, là, pour me battre. C'est vrai que, mis à part même un tour full rocks, je me demande en fait, en réalité, ce que je pourrais. Ouais, non, mais après, oui, c'est vrai que c'est un beau combat, moi, je. J'avoue. Mais c'est que c'est de Lapino qui me gêne. C'est pour ça que là, en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de le mettre à. Je sais pas, je dirais 1400 PDV max. C'est sûr, c'est que là je vais devoir rempart. Ah,
ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir faire ça. Franchement, je peux encore gagner. Je peux. J'ai bien dit je peux. Alors, c'est où ? C'est là. Ok, donc une case à gauche. C'est où là ? Ok, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Bon, j'ai fait rempart, mais j'aurais peut-être dû invoquer, peut-être, je sais pas, le doppel. Ah, il va peut-être pouvoir me taper, le salaud. S'il me tape, je suis dégoûté. Allez. Eh ouais, hey. Lol. J'ai envie de lui sortir un loli lol là. Genre, il va encore revenir pour le soin du lapino. Oi, oi, oi. N'empêche, là, il commence à me mettre mal. Hein. Attends, si j'arrive à le battre. Enfin, si j'arrive à le battre. Là, à le battre. Krusty bat. Même là, je me demande quoi faire en réalité. Ouais, regagner de la vie sur lui. Ouais, magnifique. Je monte à 1000. Bon, par contre, là, il pourra me taper avec son sort seulement s'il vient, donc... Allez, vas-y, viens. Et regardez mon retrait PA, hein. Depuis tout à l'heure, je retire rien du tout. Voilà, donc son sort le plus shit du jeu, mot fracassant. Voilà, je pense que j'ai bien joué là, les gars. J'avais pas vu, mais il y avait un petit obstacle là-bas. Et franchement, s'il passe son tour ici, je rigole. Hein. Je rigole. Hein. Comme ça, en fait, si tape le glyphe et puis, il y a limite moyen que je fasse un kill. Ah non, je pense pas. Je pense pas faire un kill. Ouais. Mais bon, il reste dans le glyphe, donc... Moi, ça me dérange pas plus que ça. Je pense que je vais devoir la jouer comme ça. Mais en tout cas, pour un premier combat PVP, n'est cassé. 40 minutes d'horreur. Enfin, non, c'est pas d'horreur. Moi, j'aime bien ce combat. Mais. Mais voilà quoi. Il va se taper deux trucs. Il va rien comprendre à sa life. Je rempars au cas où. Oh là là, regardez sa Vitamax. Aïe aïe aïe, je vais enfin pouvoir peut-être tenter une TP maîtrise ou peut-être faire c'est quoi le sort déjà, mise en garde. Ouais. Franchement, il va falloir que je tente un truc là parce... mais dans tous les cas, franchement, je pense que je peux gagner ce combat. Je pense vraiment que je peux gagner. Il faut juste que je la joue bien en fait avec mon petit téléglyphe là. Donc là, il vient, c'est déjà bien. En plus, il va se taper peut-être de... Moi, je vais Boubou Feka, peut-être. Ok. Donc. Il dit GG, mais c'est pas fini. Je vais avant tout mettre un truc à distance, là. Je pourrais faire. C'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Il manque pas grand chose. Et franchement, je stresse, les gars. Et voilà, regardez, il le conseille. Stop de conseiller, lol.
vais peut-être devoir me TP, me casser de là, regagner de la vie. Franchement, j'en suis là, vous êtes en train de bosser, mais Joy, tu peux le finir, Joy, tu peux le finir. Non, franchement, je pense pas le finir, là. Mais, en plus, là, j'ai plus rempart. Tous les cas, là, j'ai pas trop le choix. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait éventuellement faire? Se mettre ici. Histoire de me roxer. Ah, j'ai Boubou Feka dans tous les cas. La TP dans 3 tours. Là, ok, là, j'ai Glyph Optique, c'est pas trop mal. Donc, bon, là, il essaye de... Ah, 1300 Vitamax. Tôt ou tard, j'arriverai à mes fins. Je sens que cette vidéo dure 10 ou 10 minutes ou 1 heure. C'est pas très grave pour moi. Allez, vas-y que je te rempart. Ouf, quel double. Franchement, ouais, double intéressant. Hein. Oh, il arrive. Les gars en mode choqué. Il arrive. Je vais devoir maîtrise. Là clairement. Là clairement il est énervé. Je le sens. Je le sens. Je rigole tout seul là mais. Non vraiment là il a l'air énervé donc. 1300 Vitamax franchement. Ça se tente. Mais je vais devoir. Peut-être balancer un glyph. Moins 2, c'est déjà ça. Donc là, je peux pas faire ça. Ok, c'est pas mal. Ok, ça va. Et ça, Vitamax, encore une fois, baisse et baisse et baisse et baisse. Allez, 1300. J'ai mon sort à distance, j'ai mon sort au corps à corps, j'ai Boubou Feka qui arrive, je suis sous rempart. Franchement, ça se tente. Il va venir me roxer au corps à corps. Enfin, avec son arc. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Franchement, je crois les gars, c'est le moment ou jamais. Je crois que c'est le moment ou jamais. Non, 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 non. Non. C'est pas le moment, les gars, parce que je n'ai pas. Je n'ai pas mon. Je n'ai pas rempart, je n'ai. Enfin, j'ai Boubou Feka, mais. Bastion, donc distance. Ok. Moi j'ai fait mon truc à distance. Et je tape encore. Alors lui, je sais pas ce qu'il peut faire. Ouais, volet d'agi. Aïe aïe aïe, mais ça va se finir sur un rien. Franchement, pour les personnes qui regardent encore cette vidéo, qui regardaient de A à Z, je vous félicite. Parce que moi-même, je pense que je pourrais pas supporter. Clairement, la jouer sur l'héros. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se reconce. Il va se reconce. Il va se reconce. Ok, il se reconce pas. Je sais même pas si je le finis en fait. Je sais pas si je le finis. Mais je vais. Ah mais si, là je devrais le finir. GG, oh là là, j'ai gagné mon premier combat. Très laborieux, mais je l'ai gagné. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Lumière céleste. Je sous-estime jamais un Raikage. Et surtout, je me casse de là.
où j'ai eu peur. Non, parce que je connais certains abonnés qui auraient très bien pu m'agresser. Mais mon premier colis, mon premier combat PVP, donc je vais directement sauvegarder ça. Hop, j'imprime le truc. Donc je vais, moi c'est bon, c'est classique. Hein. Ensuite je vais sur Paint et je colle tout simplement. En gros c'est un copier-coller. Mais oh là là les amis, et franchement GG à lui. J'ai galéré contre un niveau 199, mais il a eu l'initiative les gars. Et franchement ça change beaucoup de choses. En tout cas bon voilà les amis, si ce on va dire premier 1v1 vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, surtout pour l'épisode numéro 2. Plus il y aura de likes, plus j'essaierai de prendre un gars super opti. Enfin, après, c'est pas moi qui choisis, mais on verra. J'essaierai de vous poster un grade 9, peut-être ouais, grade 8 minimum. Mais en tout cas, les amis, voilà. J'espère quand même que ce 1v1 vous a plu. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. J'espère que j'apprendrai à jouer au fur et à mesure cette classe. Et surtout, j'espère surtout avoir de nombreux stuff à côté. Parce que là, pour le moment, j'ai quelques mods, mais. Voilà, j'en ai pas des masses, j'en ai pas une dizaine quoi. En tout cas les amis, surtout je vous dis bonne journée, bonne soirée. Enfin je sais pas ce que vous faites là, mais en tout cas voilà. En tout cas les amis, bon voilà, ça me fait super plaisir que vous soyez toujours autant là sur cette map, sur la map Stick Family. En tout cas voilà les amis, je vous dis à très bientôt et surtout je vous dis ciao les gars. Suffocate, everything they complicate, everything they steal your fate, every day, but you can't believe it.